on pourra tester. Bon, bah, c'est l'heure d'aller voir un chimère. Elle nous empoisonne ou pas? Oh là, comme elle fait mal! Pour le moment, c'est pas très dur. Oh, ça pique par contre. Oh, si ça pique. Faut bouger beaucoup. Oh, c'est le serpent que je crains. J'aimerais avoir des flasques. Bon, lui il est passé, ça va encore, il tape fort les mobs. Hein. Donc là on a toutes nos flasques de prêtes. Où est-ce qu'il est? C'est là, quand elle est là, on doit sortir du cercle. Pour le moment, ça va relativement bien. Pas oublier de flasquer. Je crois qu'il a trois phases. Hein. Quelqu'un peut me dire s'il a trois phases de brouillard? Parce que s'il a trois phases de brouillard, donc là on flasque, hein, on n'hésite pas contre ce machin, il fait super mal. Je crois qu'on a buté. Je vais regarder le chat après, mais il faut que je puisse l'acculer un petit peu. Là ça fait mal. Là ça fait... c'est encore gérable. Bon, elle est où? Elle est où? Voilà, là, faut bouger, récupérer de la vie. Voilà, et ensuite. Là, faut bouger. Ça, on peut pas tanker. On verra bien si il est culable ou pas. Donc là, c'est la phase que je redoute le plus, c'est le serpent. Voilà. On a mouru. Mais je crois qu'après ça, elle revient et on n'a plus qu'à la culer et c'est game over. C'est faisable. Pour le moment, pas de difficulté. Parce qu'on fait juste un petit enduring cry. Et ouais, elle est vraiment facile là pour le moment. À part là qu'on a plein d'AD. J'ai prévu beaucoup de portails. Hein. On sent que je suis stressé avec ça là. Bon, ça je vais pas forcément garder celui-là. Ça oui. Je pense que la chimère elle est faisable deathless avec ce build. Donc on peut faire tous les gardiens. Enfin, je m'avance un petit peu. On pourrait faire apparemment tous les gardiens. En étant posé. Je pense que le plus dur c'est le serpent là. Parce qu'en termes de chaos, on est plutôt bas. Chaos résiste. Là, si on avait un golem, ça passerait mieux. Ça passerait mieux. Bon, ici, il faut vraiment faire gaffe. Parce que les serpents, il y en a de partout.
Voilà. J'ai vu venir, je crois qu'elle est foutue là. C'est quoi ce clip? Je crois qu'elle est, elle est fichue, la chimère. L'autre il nous explose là. Elle est où? Là t'as mis le clip pour quand on s'est fait éclater ou. J'ai pas compris. Elle est où? Ah 200 HP, joli. Mais là on est mort, hein. Là elle est foutue la map. Je sais pas si quelqu'un peut baquer mais là c'est fichu. Je veux pas vendre la peau de l'ours mais. Et là, on est mal barré. Ah, j'ai pas vu que j'avais un pixel d'HP. J'ai pas vu que c'était descendu si bas. Ah, comment on fait là? On court. Elle nous regarde, la chimère, depuis là-haut là. Saloperie! Mais là! Voilà. Donc la chimère va super bien. Et si on a raté qu'ils ont ouvert toutes les portes comme maintenant, c'est mort. Il va falloir courir sans s'arrêter. Là on est stunlock hein, au cas où. Je sais pas comment on va faire des dégâts à ce machin, mais on va y arriver. Ah ça pique. J'ai trouvé le rythme. On va pas abandonner. On est juste au but là. Bon, il a une tonne de vie ce truc. Mais après, je crois qu'il va être tout seul. Après, c'est un serpent comme les autres. C'est juste qu'il fait super mal. Voilà. On se déconcentre pas. Il est dans le dernier petit nuage. Là, on sort. Vite. Elle est où? Cul. Cul. Ah. Oh oui, je suis désolé. J'étais en finesse, mais il fallait se battre. Il fallait vraiment se battre. Je voulais pas lâcher, là. Je suis crevé. Je voulais pas lâcher. Elle était foutue, la map. La chimère, c'est presque facile. J'ai compris, hein. J'ai compris le fight. Oh là là. Et je vais me rincer le visage. Là, c'était stressant. Parce que je croyais qu'on allait faire l'hydre. Toute facile, l'hydre. Mais finalement, on a fait la chimère. Donc là, on a le droit d'aller voir le shaper. On a un set complet. Mais on n'a pas les DPS. Hein. C'est pas encore bien stable. Mais c'est fait. On l'a buté. Je dirais pas Deathless. Mais c'est le serpent. Hein. On aurait pu la faire Deathless. You wish to ask... Oh.
Et voilà. C'est enfin prêt. Premier set. Sans me faire baquer. Tout seul. Donc avec ce build, on peut faire la chimère. Par contre, en HC... En HC... Ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Mais quand elle est dans son nuage, ça va encore. Ça va encore. Le serpent, je sais pas, mettez du lacao résiste quelque part. Le serpent fait pas très mal, hein. On peut tourner autour. Il est très facile, c'est juste un petit serpent. On tape une fois, on se régène, on tape une fois, on se régène. Mais quand il a tous ses potes, là... C'est pas très évident. En tout cas, c'est fait. Ting. Chimère. Ouais, je lui ai pas fait le Minotaur. Ah si, on a fait le Minotaur. Elle, il lui manque le phénix, on lui trouvera le phénix, mais c'est du bonus. Là, on va se faire une petite hydre pour se détendre. C'est pour moi le plus facile avec ce build. C'est le gardien des plus faciles. En deuxième, en difficulté, s'il n'y avait pas le serpent, je mettrais la chimère. Elle est vraiment facile, la chimère, entre guillemets. Hein. Je crâne pas. Je dis juste que elle est tout à fait faisable. Elle est beaucoup plus facile que ce que j'aurais pensé. L'immense défaut de la chimère, c'est le serpent. Hein. Le serpent, il est atroce. Ah, je reviens pas. Bon, on va voir ce clip là à 200 HP. J'ai pas compris tellement j'avais l'esprit occupé. Ah oui, ah oui. Bah, vous voyez, avec Valpact, on serait mort. Bon, avec Valpact, on serait pas descendu si bas, mais. 228. 215. Ah, je lis le clip, je lis. Ça, j'ai. Alors que je vous l'ai dit, elle est 100% de corps viable, la chimère. Donc là on prend, elle tape à 1500 à peu près quand on n'a pas de charge. Ah, 215 HP. Là je mettrai un sticker hardcore viable. Et la personne qui suit le guide, il arrive sur la chimère. C'est un des plus faciles. Poum, des pop. Je sens bien, je sens beaucoup plus léger qu'on ait buté cette chimère. Alors maintenant, on va ouvrir l'hydre à Hippo. Donc on va la faire la plus simple possible. Ouh, c'est un bienvenu. Non, on va pas faire ça. Ah, j'ai encore le... Le combat pour moi était intense. Le combat était intense. Non mais vraiment. C'est pas... Voilà, je peux aussi emprunter à cravate. Voilà, on peut faire des currency, je peux acheter les maps et puis... Mais je veux vraiment réussir à ouvrir les gardiens et voir si on peut le faire par soi-même. Et là, c'est fait. Par contre, le Killing Strike, on l'a pas vu. Hein. On l'a pas vu du tout. Ça a pas marché. Ah, mais je suis encore tout. Hein. C'était intense en émotion. J'ai même mal aux doigts. Je crois que j'ai massacré un peu le clavier. Tout petit peu. L'hydre, elle est facile dans le sens où on a juste à faire attention à ce qui nous entoure. Et après, ça va tout seul. Ouais, c'est la même chose que tout à l'heure. On a deux rogues, mais deux rogues, c'était pas terrible. Et c'est mieux d'avoir un mode pourri comme du reflect, hein, éventuellement. Comme ça, on se l'ôte. Parce que là, on a quoi? Anarchique. Donc anarchique, on a évité tout ce qui est reflect.
Allez, admettons. Ah, Beyond. Et voilà, elle est foutue. Elle est foutue. On a Vulné, Temporal Chain, Elemental Equilibrium, Extra Damage As Fire. Bon, là, c'est pas que je renonce, mais je sais qu'elle est foutue. 54 de pack size! On va la garder pour plus tard. Elle est belle comme ça, elle est vraiment belle. Ah là là! Ça, c'est de la map de compétition. Hein.